Bonjour, je suis Samy Benaz, je suis président de l'initiative PIM, initiative pour les petites îles de Méditerranée. Je vous annonce aujourd'hui la clôture de Celebrate Thailand 2020, organisée bien entendu en collaboration avec l'association Spilo et le Conservatoire du Littoral. Nous avons pu rassembler des insulaires du monde entier. Cette année, face à la situation et au contexte sanitaire mondial, nous avons dû nous adapter, innover et utiliser une forme inédite pour la réalisation de Celebrate Thailand's nouvelle édition. Beaucoup plus virtuelle à travers la diffusion de vidéos, de messages issus de plus de 30 îles sur la planète, mais aussi avec des webinaires dans 7 langues qui ont permis d'échanger avec les experts, avec les différents partenaires, pour voir un peu où en étaient les îles, quelles étaient leurs capacités de résilience, quels étaient leurs enjeux pour l'avenir et comment elles pouvaient rebondir pour faire face à cette situation, mais aussi anticiper les prochaines crises. L'innovation, l'adaptation, c'est aussi les qualités des îles, évidemment, et vous nous l'avez démontré à travers toutes les vidéos que nous avons reçues, et nous tenons vraiment tous et toutes à vous remercier pour avoir témoigné de cette période si particulière pour vos territoires. Il est venu aussi le temps des remerciements, remerciements que nous adressons particulièrement à toute l'équipe qui a beaucoup œuvré pour la mise en place de Celebrate Thailand cette année, donc Cyriel, Jules, Céline, Domitil, Martha, Sylvain, Samy, Benoît, qui ont vraiment beaucoup œuvré cette année pour traduire, mobiliser des experts, faire le lien et les contacts avec les différentes îles et qui a permis effectivement une très belle édition cette année. Je tiens aussi à remercier deux principaux partenaires, le GLISPA, le Global Island Partnership, et INTU, International National Trust Organization, qui ont aussi mobilisé leur réseau pour cette année communiquer encore plus largement sur cette opération. Mille merci encore aussi à nos soutiens historiques, l'Agence de l'eau, la Ville de Marseille, le FFM, qui ont soutenu techniquement et financièrement à nouveau cette opération. Celebrate 2020 existe aussi grâce à eux. L'édition 2020 se termine, mais vous allez pouvoir retrouver des informations toute l'année sur le Facebook et les réseaux sociaux de Celebrate Thailand. Vous pouvez continuer à aller sur la chaîne YouTube Celebrate Thailand, sur lequel vous retrouverez les différents webinaires. Mais aussi, nous préparons de nouveaux webinaires, de nouvelles formations, de nouveaux moments d'échange toute l'année pour continuer à célébrer les îles et continuer à créer du lien entre nous, entre vous, pour le bénéfice de chacun de nos territoires. Cet événement a été vraiment exceptionnel. Ça nous a montré un engagement croissant des insulaires et des amis des insulaires. Et nous espérons vivement que l'année 2021, nous organiserons un Celebrate Thailand et que ce sera également une grande réussite.